Ces vestiges datent de près de 3000 ans. Le temple de Bilkis, nom arabe de la légendaire reine de Saba, était alors le centre politique d'un royaume qui s'étendait de l'Éthiopie jusqu'à l'est du Yémen actuel. Aujourd'hui, les déplacés de ce conflit qui dure depuis 8 ans viennent visiter ce lieu historique. Nous considérons Marib comme un refuge, comme une mère qui protège tout le monde. Ici, nous avons trouvé de la sécurité et c'est une bénédiction. Grâce à Dieu, nous pouvons nous détendre. Dans ce pays ravagé par la guerre civile, ce sont les Bédouins qui gardent ce temple millénaire. Cet endroit est extrêmement important car c'est un site historique très ancien. Il représente notre ancienne civilisation, celle du royaume de Saba, et nous en sommes très fiers. Il y a beaucoup de sites au Yémen, mais il n'y a pas d'argent pour les préserver. À 2 km, un autre temple similaire. Ils ont tous deux été inscrits au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO en janvier dernier. Alors que les rebelles houthistes reniant l'héritage préislamique du Yémen sont à quelques kilomètres de Marib, le conservateur de ces sites demeure confiant. Que ce soit les houthistes ou qui que ce soit, personne ne pourra détruire cet héritage. Ils resteront, quelles que soient les circonstances. Nous les préserverons par nos vies jusqu'à la dernière pierre. Des négociations de paix sont actuellement en cours entre les belligérants. Un cessez-le-feu salvateur pour cet héritage unique.